Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, Morgane a décidé de nous montrer une partie de la gamme Philips. Oui, aujourd'hui, je fais un comparatif sur plusieurs modèles de la marque Philips afin de trouver celle qui vous correspond. Alors aujourd'hui, j'ai la 3200, les séries 4300 et la série 5400. Alors effectivement, elles sont toutes très jolies, mais elles se ressemblent beaucoup. Oui, elles se ressemblent beaucoup, elles ont un design qui est plutôt moderne, un gabarit assez compact et surtout elles ont un, tout un broyeur céramique 12 positions. Effectivement, cette broyeur céramique déjà ça chauffe moins donc ça va dénaturer moins votre grain et ça s'use moins vite. Mais du coup, quelles sont les différences Alors tout d'abord, la série 3200, elle est idéale si vous sortez des machines à capsules et que vous voulez acheter une machine à café grain. Elle dispose de 5 boissons en accès direct avec des touches tactiles. Et celle-ci, c'est la version Lattego, mais elle existe également en version Bus Vapeur. La différence avec sa grande sœur, la 4300, ça, c'est l'écran. Alors effectivement, l'écran, c'est un vrai confort d'utilisation et d'entretien également. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, moi, sur cette machine, c'est le mini Coffee Equalizer qui va permettre de régler davantage tout ce qui est intensité. Volumentasse, on a vraiment la possibilité de personnaliser chacune des boissons. Et du coup, la différence entre les deux, c'est celle-ci, c'est avec bus vapeur. Alors, et... l... oui, là, c'est l'exclusivité Maxi Coffee avec une bus variateur. Elle est bien si vous souhaitez faire des boissons lactées euh, occasionnellement. Par contre, si vous souhaitez en faire régulièrement, je vous conseille de partir sur le système Latigo. Effectivement, la carafe Latigo, moi, j'aime beaucoup parce que déjà, elle est petite, tout se passe au lave-vaisselle et elle est graduée. Comme ça, vous mettez juste la quantité. Qu'il faut pour le boisson que vous êtes en train de faire. Mais du coup, sur la série 5400, elle a aussi une, ca une carafe. Elle a également une carafe. Mais alors celle-ci, moi, je la conseille vraiment pour une utilisation familiale. Elle a plus de choix en boisson. Elle a également la fonction extra shot sur toujours le mini coffee equalizer. Et surtout, elle a quatre profils d'utilisateurs. Ça permet vraiment de personnaliser chacune des boissons et de les enregistrer en fonction de vos goûts. Donc, si on récapitule, série 3200, si vous voulez une machine simple mais efficace avec les cinq boissons en accès direct. Si vous voulez aller régler un peu plus vos cafés, c'est sur le série 4300 avec le Mini Coffee Equalizer qu'on a adoré dans nos tests. Et si vous êtes plusieurs dans la famille, chacun avoir leur goût en café, c'est plus sur le série 4300. Mais là aussi on retrouve le Extra Shot qui est parfait pour des amateurs d'expresso comme nous. C'est exactement ça Phil D'ailleurs je vous ai écrit un article blog pour vous montrer toutes les différences entre ces machines à café automatique. Philips, c'est juste là. Si vous voulez abonner à notre chaîne, c'est par là. Et si vous voulez voir tous les tests des machines à café gras, c'est juste ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre expresso broya, n'oubliez pas de laisser un like. Et jusque là, nous allons vous dire bon café. À bientôt.